Bonjour les chimistes. Aujourd'hui, on va chercher à récupérer le sel et le poivre. Comment ça récupérer le sel et le poivre? Eh oui, il fallait compter sur la maladresse d'Emmanuel. Il a renversé la salière dans la poivrière. Et maintenant, on a un mélange de grains de sel et de grains de poivre. Qu'à cela ne tienne, nous allons chercher à récupérer d'une part les grains de sel et d'autre part les grains de poivre. Rien ne se perd. Mais comment allons-nous faire à partir du mélange de ces grains pour essayer de mettre d'un côté le sel, de l'autre côté le poivre? C'est le but de la deuxième activité de notre cours, de ce chapitre mélange et transformation chimique.